Papa, j'ai besoin de cette guérison. Papa, j'ai besoin de cette délivrance. Quel est ce démon? Tiens là-bas, Jean chapitre 15. Tiens-toi sur tes pieds. Jean chapitre 15, verset 1 à 8. Est-ce que tu as ta Bible à main? Est-ce qu'on peut lire? 1, 2, 3. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Quelqu'un acclame le Seigneur. Tu peux t'asseoir. Je prie que Dieu me donne d'aller vraiment très doucement. Amen. Dimanche passé, je croyais que je devais aller très doucement en enseignant. Mais je fus saisi par l'esprit de prédication. Ou encore, peut-être, je n'ai pas pu gérer mes émotions. Amen. Mais ce verset que nous venons de lire sont l'un des versets clés de la Bible. Pour toute personne qui veut faire des exploits avec Dieu, Jésus dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue, mais à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et je te faisais comprendre dimanche que le tout n'est pas d'être pur. Le tout n'est pas d'être saint. La sainteté est une bonne chose, mais la sainteté n'est que la base. Am I talking to somebody? La sainteté n'est qu'une base, n'est que la base de ta foi. Mais après la sainteté, il faut aller un petit peu plus loin, voire même très loin même avec le Seigneur. Jésus s'adresse aux personnes qui sont déjà pures. Jésus fait entendre à ses disciples que vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Mais Jésus leur fait comprendre qu'ils ne portent pas les fruits. C'est ce que nous venons de lire. Malgré leur pureté, ils n'ont pas de fruits. Malgré leur sainteté, ils n'ont pas de fruits. Et Jacques disait l'autre jour, montre-moi tes œuvres. Que montre-moi ta foi, je te montrerai mes œuvres. En d'autres mots, la foi sans les œuvres est une foi morte. Je crains que Dieu ne te dise au dernier jour que ta sainteté est une sainteté morte. Tu ne dis pas Amen. Am I talking to somebody? Donc, au-delà de la sainteté, au-delà de ton parler en langue, il faut des actions concrètes. Il faut des choses concrètes. Il faut des évidences de ta sainteté. Et Dieu dit, tu ne peux avoir d'évidence. Tu ne peux avoir les œuvres. Tu ne peux avoir les justificatifs de ta foi qu'en demeurant en lui. Il dit, à moins que tu demeures en lui, tu ne peux pas porter des fruits. Donc l'habilité de porter les fruits réside sur le fait de demeurer en Christ. Am I talking to somebody?
Et je disais l'autre jour que le mot demeurer signifie, lorsque ce mot fait référence à une condition, ça signifie continuer à être. C'est-à-dire rester le même, ne pas devenir autre chose. Donc, demeurer en Dieu veut dire ne pas devenir autre chose. Rester le même. Depuis le jour que Jésus t'a déclaré saint, es-tu resté le même? Lorsque Adam a péché, Dieu est venu. Et il a dit, Adam, où es-tu? Le mot originel peut aussi dire, Adam, qu'es-tu devenu? En d'autres mots, Adam, tu n'es pas resté le même. Tu es devenu une autre personne. La première personne, ou bien Adam, tiré de la poussière du sol, en qui je soufflais dans ses narines. Quand cet Adam me voyait venir, il courait pour venir dans ma présence. Quand il sentait seulement ma venue, ou bien quand je tardais tout simplement, il se patientait. Mais l'Adam d'aujourd'hui n'est plus le même Adam. Car l'Adam d'aujourd'hui est cet Adam que quand il sent ma présence, il se cache. Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si je ne parle pas à toi, je parle plutôt à toi. Est-ce que tu te souviens les jours où tu aimais tellement la présence de Dieu? Culte de mercredi, tu étais là. Culte de dimanche, tu étais là. Nuit de célébration, tu étais là. Allégresse matinale, tu étais là. Tu ne pouvais pas manquer un culte. Mais aujourd'hui, tu viens à peine. Je te dis quelque chose. Qu'es-tu devenu? Are you still there? Est-ce que tu es resté la même personne? Hey! Adam n'est plus resté la même personne parce qu'il a fait quelque chose qui a irrité le cœur de Dieu. Et Dieu n'était même pas encore là. Il a commencé à se cacher. Et je veux te dire la vérité. Si tu fouilles au fond de toi, le fait que tu n'aimes plus la présence parce que tu as désobéi cette personne, Dieu, quelque part. Ne dis pas amen. Holy Church. Amen. Tu sais là où tu as trahi Dieu. Personne n'était avec toi, non, personne ne t'avait vu. Mais depuis ce jour, tu as perdu la paix. Depuis ce jour, tu n'aimes plus sa présence comme dans le passé. Tape saint à ton voisin, dis Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. En d'autres mots, Dieu est encore à ta recherche. Pourquoi ne peux-tu pas résister à la présence d'une seule que deux jours? Où sont tous ceux qui étaient à l'allégresse matinale hier? Yeah. Non, c'est impossible de faire deux jours à l'église. C'est pas ça? Non. Hé, j'étais à l'église hier, pourquoi dois-je être encore là où je suis? Mais pour ceux-là qui demeurent, ceux-là aimeraient que Dieu soit là tous les jours. Ceux-là aimeraient être dans sa présence tous les jours. Pour ceux-là qui demeurent en Christ, quand l'heure du culte est finie, ces personnes rôdent encore à l'église. Ces personnes ne sont pas pressées de rentrer. Il y a des gens qui craignent à leur montre que pasteur, l'heure du culte est déjà finie. C'est maintenant que mon heure commence. Am I talking to somebody? Rester la même personne. Quand le mot demeurer fait référence à une condition, ça veut dire rester le même. Ne pas devenir autre chose. Am I talking? Lorsqu'il fait référence au temps, ça veut dire ne pas périr, endurer, durer. Lorsqu'il fait référence aux personnes, ce mot veut dire survivre, subsister. Donc, en d'autres mots, tu ne peux subsister qu'en Jésus. Tu ne demeures pas en Jésus, tu ne peux pas subsister. Écoute-moi bien, peu importe combien de jeûnes tu fais, peu importe les sacrifices tu fais pour être pur d'esprit, pour être saint de corps et d'esprit, je veux te dire, aussi longtemps que tu ne demeures pas en Christ, tu n'arriveras jamais à cette purité. Certains d'entre vous, au début de l'année, tu t'assois et tu confesses tous les péchés de 2015. Tu dis, en cette année 2016, ces mêmes péchés ne pourront plus jamais revenir. Mais tu te souviens que tu es tombé dans le même péché 10 fois quand tu te retrouves au bar. Yes. I just fell from heaven. Je parle au Saint.
Je devais parler ça qu'au marché. Je te suis. Tu veux que je te suis? Je veux te dire dans quel bar tu bois. Quand je te parle, tu me regardes comme un ange. Please say thank you. Thank you for honor. Thank God for honor. Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu fais des engagements, Seigneur, ça ne peut plus se répéter. Tu pleures même, tu étais même sincère même dans ta prière. Les anges t'ont vu, le ciel t'a vu, les larmes ont coulé. Tu étais seul, tu confessais, tu roulais au ciel, Seigneur, ça ne pourra plus se reproduire. Mais un mois, deux mois, le secret n'est pas seulement dans la confession, c'est de demeurer en lui. Il dit jusqu'à ce que tu demeures en moi. Tu ne peux pas porter le fruit. Écoute-moi bien. La branche ne peut pas porter le fruit. Sauf si elle est liée au tronc. C'est parce que c'est le tronc qui tire le fumier du sol. La transforme en sève et passe à la branche. Aussi longtemps que le tronc ne passe pas la sève à la branche ne peut pas porter le fruit. Ce sont ces sèves qui se transforment en sève, c'est quoi? Et devient ce fruit. Donc Dieu est en train de te dire, aussi longtemps que tu n'es pas lié à moi, aussi longtemps que tu ne demeures pas en moi, aussi longtemps que tu n'habites pas en moi, aussi longtemps que tu ne résides pas en moi, il te sera impossible de porter le fruit. Parce que pour porter le fruit, c'est mon esprit à l'intérieur qui te communique la vie. Et la communication, et que la communication du Saint-Esprit soit avec vous. Donc c'est le Saint-Esprit qui communique la vie à toi. Am I talking to somebody? Il s'agit de demeurer. Il s'agit de séjourner lorsque le lieu fait référence à un lieu. Ça veut dire habiter. En d'autres mots, Dieu te dit, si tu habites en moi, je vais habiter en toi. Et si tu habites en moi et que j'habite en toi, tu porteras les fruits. Et curieusement, Dieu ne dit même pas les fruits, il dit le fruit. Même quand il emploie le pluriel, il dit beaucoup de fruits, il s'arrête sur au singulier. Pourquoi? Parce que c'est un seul fruit. Il y a 9 éléments. Am I talking to somebody? Dis à quelqu'un, demeure en lui. Comment est-ce qu'on demeure en lui? On demeure en lui dans la prière. Comment est-ce qu'on demeure en lui? On demeure en lui dans la lecture de la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on demeure en lui? On demeure en lui en allant au culte. Comment est-ce qu'on demeure en lui en lisant les livres chrétiens, les livres de foi? Comment est-ce qu'on demeure en lui en visionnant les chaînes chrétiennes qui enseignent la parole de Dieu? Et la prière seule ne suffit pas. Et le jeûne seul ne suffit pas. Je connais des personnes qui jeûnent avec leurs prisonniers. Tu dis que voilà, c'est. Tu dis que voilà, c'est. Il y a des personnes qui jeûnent avec leurs prisonniers. Seigneur, je suis venu avec, à la montagne avec eux. Les voici. Les gens qui ne veulent pas que je prospère. Abandonne pas ton feu. Dieu dit, Tifman. Tchong. Dieu dit, lorsque tu commences à élever la voix, je détourne mon visage. Parce que ceux qui demeurent en moi libèrent leurs prisonniers. Ceux qui demeurent en moi n'ont pas de captifs dans leur cœur. Ceux qui demeurent en moi n'ont pas l'amertume. Il dit, si vous demeurez en moi, vous porterez beaucoup de fruits. Et ce fruit-là, c'est la paix. Et ce fruit-là, c'est la joie. Et ce fruit-là, c'est l'amour. Et ce fruit-là, c'est la patience. Et ce fruit-là, c'est la bonté. Et ce fruit-là, c'est la bienveillance. Et ce fruit-là, c'est la douceur. Et ce fruit-là, c'est la fidélité. Si ton cœur est comme les ténèbres, tu ne demeures pas en Dieu. Et Dieu dit, si vous demeurez en moi, demandez ce que vous voulez. Cela vous sera accordé. Pourquoi tu auras la chose que tu demandes? Parce que dans un cœur où il n'y a pas la haine, Dieu se manifeste avec aisance. Dans un cœur où il n'y a pas la rancune, la main de Dieu se prolonge au plus loin possible. Dans un cœur où il n'y a pas l'amertume, Dieu a de très longues jambes. Dans un cœur où il n'y a pas l'amertume, l'oreille de Dieu est très sensible pour entendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, si tu demeures en moi, si tu
tu gardes ma parole, si tu gardes mes commandements, il dit tout ce que tu demanderas, cela te sera accordé. Je t'ai dit que le mot grec, je t'ai dit ça l'autre jour, que le mot grec utilisé, traduit en français par demander, veut dire exiger, veut dire réclamer, veut dire désirer. En d'autres mots, celui qui demeure en Dieu ne perd pas le temps quand il faut prier. Comme le pasteur Kala disait tout à l'heure, tu dis une petite chose et ça s'accomplit. Amen. Ça m'est arrivé aussi plusieurs fois où j'ai prié pour des personnes, je n'ai pas. La personne restait incrédule. Que je croyais qu'il allait faire une très longue prière. Écoute-moi bien. Ceux qui demeurent en Dieu n'ont pas besoin d'une longue prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première résurrection de mort dans mon ministère, j'entre dans une maison où les gens étaient en pleurs, où les gens priaient et chantaient pour que l'enfant revienne à la vie. Les gens criaient, les voisins, je ne sais pas à quoi penser même les voisins. J'ai dit, calmez-vous. J'ai pris le bébé, j'ai dit, alléluia. That was all. Am I talking to somebody? Regarde une personne qui prie pendant 30 minutes, je te dirais une personne qui n'a pas une vie de prière dans le secret. Écoute-moi bien, quand il y a une réunion quelque part comme celle-ci, quand il y a une croisade, ce n'est pas le temps de crier, c'est le temps de parler, c'est le temps de commander les choses. Si pendant que tu pries pendant 30 minutes, la personne meurt, tu vas faire quoi? Donc tu même vois certains malades, déjà deux fois malades, fatigués, déracinés, même du sort, demande que ces personnes aillent gêner pour être guéries. La personne meurt. On dit que l'église qui tue les gens. Veux-tu que à ta parole le succès répond? Demeure en Dieu. Écoute-moi bien. Je ne connais pas les cas jusqu'à ce jour où j'ai mis la main sur un malade pendant 5 minutes. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. C'est 1 minute. C'est 30 secondes. Hey, si je mets la main sur toi, tu n'es pas guéri pendant 1 minute, je pars. Meurs, on va t'enterrer. Le Jésus est top. Meurs, on va t'enterrer. On va faire le deuil. Tu as comme si tu viens de dire, tu vas aller au ciel, non? Meurs. Je ne peux pas fabriquer une nouvelle parole parce que tu es malade. Il s'en va de cacher en tout cas là-bas. Je ne veux pas transformer le sel en maïs, c'est quoi, en quoi, oh, pour que tu sois guéri. Je déclare, sois guéri. Tu n'es pas guéri, je passe au suivant. Sois guéri, le suivant n'est pas guéri, je passe encore au suivant. Sois guéri, le suivant n'est pas guéri, je passe encore au suivant. Si vous voulez, aucun de vous n'est guéri, je veux rentrer sans problème de conscience, continuer à prier, à lire ma Bible. Ça me laisse à 37, c'est moi qui guéris. Mais si tu es commissaire de police ou bien tu vas à la police, tu signes un papier, tu donnes à ton commissaire de viser, ne vise pas, tu dors dans son bureau. Sors! Y'a on a dit. As-tu prié? Oui. As-tu prié avec foi? Oui. As-tu une vie de prière dans le secret qui est normal? Oui. Laisse. Mais Moïse était mort. Are you there? Même Jésus qui est Dieu est mort. On a aussi. Et l'église est tellement emportée par des choses et les pasteurs sont devenus des marabouts, des sorciers. Aussi longtemps que ta conscience ne te condamne pas, après avoir prié, va chez toi, prends ton lait, bois. Si je demeure en lui, si j'ai une vie de prière dans le secret, si mon âme ne me reproche de rien, si ma conscience est pure, j'ai dit, Seigneur, donne la promotion à l'enfant-ci. Dieu ne donne pas, je suis à 37. Que l'enfant-là lui aille demander, Dieu, pourquoi je n'ai pas répondu à la prière que le pasteur Charlie a prié, alors que le pasteur Charlie répond, alors que Dieu répond à la prière des autres. Des fois, tu meurs pour une personne, alors que la personne a enfermé tout ça dans son cœur. Qu'aucun de ses captifs ne sortira. Que telle femme qui a pris mon mari,
il n'y aura jamais la paix, Seigneur, j'envoie le feu, le feu, le feu. Aïe, laisse la guerre là à Dieu. Écoute-moi bien, aucun méchant n'ira impuni. Il y a souvent, tu veux faire pour toi, tu veux faire pour Dieu à la fois. La Bible dit, aucun méchant n'ira impuni. Quelqu'un t'a-t-il brisé le cœur? Remets tout à Dieu, tôt ou tard, tu verras son jugement sur le soleil des vivants. Pourquoi tu t'ennuies? Tu n'as que 30 ans, ton visage ressemble à le visage d'une personne qui a 50 ans. Tu vois la personne, ton cœur fait. Hey, pasteur, tu ne peux pas comprendre quand je la rencontre, les mains. Mon ventre commence à me faire mal. Ça n'a pas seulement commencé à te faire mal, ça va t'amener dans la tombe. La personne continue à vivre. Écoute-moi bien. Si une personne t'a fait du mal, ce n'est pas à toi de te sentir mal à l'aise quand vous vous rencontrez. C'est à la personne de se sentir mal à l'aise. Ne détruis pas ton cœur à cause du péché d'autrui. Can I say it again? Ne détruis pas ton cœur à cause du péché d'autrui. Ne prise pas la communion avec le Saint-Esprit à cause du péché d'autrui. C'est son péché à lui. Toi, garde ton cœur pur. Dieu a besoin de ton cœur. Tu ne fais qu'amener la personne devant Dieu. Tu as dit qu'il est aveugle. Dieu le connaît plus que toi. Dis à quelqu'un, demeure en Dieu. Ça veut dire ne pas changer. Être la même personne sans rancune, sans amertume, même quand on t'aurait blessé le cœur, même quand on t'aurait brisé le cœur, tu restes la même personne à 37. C'est ça, demeurer en Dieu. Comment on demeure en Dieu? Je ne veux pas te sortir une liste des faits et ne fais pas. Dieu m'a dit l'autre jour, partagé avec mon épouse, comment on demeure en lui. Dieu m'a dit, demeurez en moi. Ça veut dire, dans tout ce que tu fais, pose-toi la question, est-ce que moi, l'Éternel, je fais ces choses à travers toi? Am I talking to somebody? Dieu m'a dit, voici comment on demeure en moi. Dans tout ce que tu veux faire, pose-toi la question si c'est moi qui le fais à travers toi. Paul a dit, tous mes péchés, tout m'est permis, mais tout ne m'édifie. Quand je m'assois devant mon téléviseur et que je suis en train de regarder un programme, je dois me poser la question, est-ce que Jésus regarde ce programme à travers moi? Quand je sens à l'intérieur de moi que je devais parler quelque chose que Chantal m'a dit, je dois me poser la question, est-ce que Jésus est en train de parler ça à travers moi? Quand je vois un frère avec un très beau costume, une grande promotion, une sœur avec une promotion qu'elle vient de recevoir, et mon cœur commence à faire un genre, je dois me poser la question, est-ce que c'est le cœur de Dieu qui en fait un genre? Look me by fire from heaven. Dans tout ce que tu entreprends, tu dois toujours te poser la question, est-ce que c'est Dieu qui entreprend ces choses à travers moi? Dans ce projet de voyage, est-ce que c'est Dieu qui projette à travers moi? Dans ce concours que je veux faire, est-ce que c'est Dieu qui le fait à travers moi? Dans ce mariage où je vais entrer, est-ce que c'est Dieu qui entre à travers moi? Dans tout ce que tu entreprends, tu dois te poser la question, est-ce que c'est Dieu qui le fait à travers moi? Am I communicating? Écoute-moi bien. Si tu mets en pratique cette leçon, ce n'est que question de temps. Pourquoi je n'ai pas de problème de conscience quand je prie pour un malade? C'est parce qu'au fond de moi, je me rassure que le problème ne vient pas de moi. Je te dis la vérité, si je sens que le problème vient de moi, je n'aurai pas la paix. Aïe, je n'aurai pas la paix. Mais si je sens que j'ai fait tout ce que Dieu m'a demandé de faire, c'est juste une question de temps. Écoute-moi bien, il y a des personnes pour qui tu pries et tu jeûnes. Et pourtant, ce sont des personnes que Dieu a déjà marquées au rouge. Ne dis pas amen.
Si tu ne savais pas, je vais t'informer ce matin. L'éternel Dieu, le Dieu de Père, le Dieu de Tout-Puissant, le Dieu miséricordieux, tue. You better hear this one. Je dis Dieu tue. Et quand il tue, il n'est pas un meurtrier. Et celui-ci, s'il continue à vivre, les villages vont mourir. Mieux vaut y pas. Let me come again. Right in the church. Même à l'église. Des personnes saintes, Dieu les tue. Il y a des personnes, même pasteurs. Dieu sait que si celui-ci fait encore 2 ans de ministère, il va laisser les traces que je serai incapable de passer. Je veux prendre sa vie. Are you there? Are you there? C'est dans ta Bible. Lorsque l'ange sort pour tuer Dieu, tu commences à mon hôtel. Tu! Tu! C'est un endroit parce que tu parles en langue, tu crois que tu es déjà au-dessus de toutes choses. Il veut te faire comprendre quelque chose. Ton Dieu tue. Et quand il tue, il n'a pas de remords. Il a tué les 2 fils d'un homme, Aaron. Aaron a voulu pleurer, c'était toi. No, just try that in. Ferme vite. Ils ont apporté du feu étranger devant Dieu. Dieu les a tués tous les deux. Et il veut pleurer. Ouvre seulement ta bouche, tu vas me connaître. Are you still there? On me regarde comme si je venais d'un monde étrange. Je suis ton pasteur. Et je resterai ton pasteur. Demeure en lui. Il demeurera en toi. Et si tu demeures en lui, quoi que ce soit que tu demandes, la chose te sera donnée. Et j'ai dit, le mot original veut dire, quoi que ce soit que tu vas désirer, Dieu va te donner. Donc il arrive des moments quand tu es déjà ancré dans sa présence, quand tu demeures tellement dans sa présence, tes désirs deviennent des ordres. Qui connaît le prophète Makandiwa? Makandiwa a une voiture. Il n'a pas acheté cette voiture. Personne ne lui a donné cette voiture. Et cette voiture n'est pas une voiture volée. Il a désiré seulement la voiture. Dieu a fait descendre la voiture. Je vous parle d'un homme qui vit. Et il est au Zimbabwe. Va partout chez là où on a fabriqué. Tu viens me dire. Désirer seulement. Dieu dit voilà. Et tu vas connaître. Cet homme prie 20 heures par jour. Nous aimons ça. Hey, fais-moi grâce de l'onction. Pasteur, mets la main sur moi pour que je reçois aussi. Depuis qu'on a mis la main sur toi. Il prie 20 heures aujourd'hui, il se repose le lendemain. 20 heures aujourd'hui, il se repose le lendemain. Et il a dit, je me suis construit une prison. Et je me suis fait prisonnier jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Tu ne le verras jamais dans la rue. Est-ce que tu es encore là? Non, je connais. Je ne suis pas venu parler à tout le monde. Je suis venu parler à quelques privilégiés qui ont compris qu'ils sont des privilégiés, qui vont saisir ce que je suis en train de dire pour que Dieu les utilise pour changer cette génération. Je ne suis pas venu parler à tout le monde. Je suis venu parler à quelques privilégiés qui ont compris qu'ils sont des privilégiés et se sont rendus disposés, disponibles pour que Dieu les utilise pour changer cette génération. Quand je parle à quelqu'un, l'évangile de ce fin de temps, ça ne sera plus Jésus est né à Nazareth, dans un coin à Bethléem, il est né à Bethléem, dans la crèche. Écoute-moi bien, avant que tu ne finisses de parler, le Seigneur t'aurait déjà giflé 4 fois. Et on va appeler ta maman que venez la prendre à l'hôpital. À l'heure, au jour d'aujourd'hui, un décret est sorti en Russie empêchant quiconque de partager sa foi avec quelqu'un d'autre. Si tu prêches dans un train à un non-croyant, la police du train t'arrête, tu es détenu jusqu'à la retraite et tu payes 600 000 francs pour avoir offensé la loi russe. Et il est dit que cette loi va se répandre dans tout le monde entier. Donc l'antéchrist est déjà manifeste. Donc ce n'est plus l'évangile, le petit Jésus est né à Bethléem. Am I talking to somebody? Ce n'est plus l'évangile là. Non.
Pour qu'un policier mette la main sur toi et il rentre en arrière, ce n'est pas en chantant. C'est quand tu dis que le feu descend du ciel et apporte justice et qu'on voit ce feu manifeste. Écoute-moi bien, tu dois limiter le dosage de ton euro que tu manges. Tu dois diminuer la quantité de ton compte chap que tu manges. Papa, j'ai besoin de cette guérison. Papa, j'ai besoin de cette délivrance. Que le